Une habilitation, une capacité au monde gain pour faire des bagages qui partent un pile fois impossible pour l'être humain. Nous avons comme exemple ta coupe la caille pan en Haïti, quelqu'un nous connaît qui fait des bagages qui un pile fois partent impossible pour un pile l'autre monde. Donc un bagage comme ça, nous avons considéré la ta couille habilité. Et bien habilité que nous parlons dans vidéo ça part spécial jusqu'à même choquer tout le monde. Combien de temps vous passez sans pas respirer? En attendant de réfléchir, je vais apprendre que Colombien a créé le Sofia grâce à super poumon qui a gagné et qui a passé plusieurs minutes sans pas respirer. Donc, c'est là que je vais commencer à faire un compte à présenter dans la vidéo pour aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, famille, si vous ne connaissez pas. Je vous souhaite encore bienvenue. Donc, c'est encore un million de nouveaux membres de la chaîne qui vont vous présenter une nouvelle vidéo. Quand nous parlons ensemble, mon saillot qui choque le monde. Vous connaissez si pas vous savez de 100 likes ou quitter pour nous dans la vidéo. Sans commentaire ou et même partager, la chaîne ne soit pas connaître, pas tape exister. Si vous en avez vite ou quitter la colonne dans la vidéo à Koulia, partagez le coup de la tour pour qu'il y ait nous et des prises mon cas ou vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez bouton abonné à Koulia tout pour qu'il y ait toujours au courant de toutes nouvelles vidéos qui nous apportent. Colombie dans l'année 1992, Dame Sakele Sofia Gomez Olibe te bat record mondial apnea dans l'année 2017. L'Italie fait faire exploit ça dans l'océan Zile Caraïbes, plus précisément dans la soufrière Enscotla qui offre conditions idéales pour plonger à l'pifon. Colombie n'a pas arrivé en profondeur de 84 mètres dans 2 minutes 45 secondes avec aide dans Joalio. Donc ça te vient faire battre le record précédent qui est Sloven Alenka Atnik Katekembe avec 82 mètres. C'est un exploit vraiment impressionnant qui se résulte d'un peu l'entraînement selon ça le fait qu'on est. Passer quelques secondes de bas de l'eau, c'est un bagage qui est très compliqué pour un peu le monde. Donc imagine un monde qui plonge à l'épice passer 80 mètres et puis pour plus passer 3 minutes sans respirer. Je dois noter pour tout que 2 minutes 45 secondes c'est pour le cas descendre jusqu'à ce qu'il arrive dans la limite en bas. Donc pour tourner monter après, ça prend plus de temps sans respirer ni équipement pour nager. Dans une vidéo qui t'a filmé par plusieurs monde qui t'a pas assisté à ça qui semble une fois, nous kawa de monsieur cap décharger plusieurs questions. Et façon t'a fait service là, c'est un bagage très impressionnant. Il y en a prend casse là plein fuit et puis voilà leur travail à qui pile. Il attrape et puis la gueule fuit en pile très rapide. Donc c'est un travail qui m'a demandé en pile précision à force, on n'a pas imaginé quantité casse qui au vide en pile ça. Mais tant de travail ça a fini par attirer l'attention au monde qui t'a passé. En plus, on a déjà commencé à filmer parce que avoue que il n'y a pas de j'aimerais un bagage comme ça. Dans une école dans le pays États-Unis, il y a un camarade qui te défie l'autre pour dire qu'elle n'a pas de câble en bouteille d'eau dans seulement une seconde. Il t'a payé 5 dollars, donc je vais quitter pour garder pour qu'il essaie de mieux explication sur comment ça fait possible. Mais par contre, si c'est donc quoi bouche ou bien culotte dans les gagnants, mais ça me constate qu'il est compréhensible, c'est que il fait boire toute l'eau dans seulement une seconde. Ou quand il a les seulement plein la bouteille là, et puis il fait un petit cagé, et puis tout bagage disparaît. Qui explique ça que vous avez besoin de bagage ça? Qui te commente par la couleur et m'a content pour me lire. Guillaume, c'est qu'il n'a pas arrivé à identifier qui te fini par escalader un building qui pire dans le pays États-Unis, dans la partie de l'eau sans aucun équipement. Building n'a créé le seul sa force sa tower fait 326 mètres de hauteur, 61 étages et puis c'est building qui pire dans la ville de San Francisco. Selon la presse locale, la hôtel et la police dans le même moment qui partent prendre temps pour manifester, il était que tu as plusieurs policiers qui tapent en ligne sous tête bâtiment. Donc aussitôt qu'elle était fini escalade building, la police était tout mettre la patte sur lui. J'aime te dire qu'il n'y a pas trouvé identifier lui, mais il est venu garder les Spider-Man sur le profil Instagram. Il était fini par faire connaître comme Spider-Man parce que l'intention c'était protester contre l'avortement qui sont pratiques légales dans le pays. Mais selon quelques fuites qui sortent dans le tribunal à Supreme, pratique ça a été illégal encore dans l'année 2021 ou bien l'année 2023. Il y a un Chinois qui a commencé à poster diverses vidéos sur TikTok qui a montré une force suprême dans le gain. Il a pratiquement passé toute ville à entraîner parce qu'il a même musculation et son bagage qui rentre col devenu musclé. Donc, mais c'est ça, ce garçon qui est plus fort qu'il ne peut que jamais.
Dans la vidéo TikTok, yo, ou kap gade le kap ploye fè, kase brike, et même bay coup de pied, coup de poing, à quelques bagay, ki aucun moun normal a pas fait consciemment. En plus, on considère comme l'homme le plus fort du monde, donc nous clair que c'est pas n'importe qui qui a supporté casse bagage ça yo pour utiliser seulement force physique yo. Et puis il pas connait que la patte que ça fait déjà plusieurs années pour lui faire casse bagage ça. Bill Astor, c'est un biologiste américain ça qui était une grosse passion pour couleur vie. Ça te fait bagage ça c'est non seulement gagner à pelli mais tu une grosse contribution pour l'humanité. Il y a plus de 3 millions de couleurs qui passent dans mer depuis 1917. Désir pour l'explorer espèce yo te poussé à abandonner l'école et puis rejoindre une société de divertissement qui te connaît organiser un spectacle pour ses parents. En 1957, Astor ouvre un serpentarium dans Miami côté qu'il te connaît faire présentation à Coulevio pour venir pour faire diverses recherches. À partir de recherches, Bill Astor est arrivé et a guéri plus de 6000 personnes qui sont pas démodées avec quelques savants qui permettent de fabriquer antidotes. Même si les pattes faites de formelle, nos Américains ont maîtrisé parfaitement les sciences par eux avec extraction venin. Sa capitaine n'a plus sans quoi, c'est que les appliquer venin sur lui-même encore. Il fait ça pendant plusieurs années en façon pour le montrer efficacité antidote à poison. Mais t'es sous poison qu'il applique sur lui-même encore, il t'arrive à piquer au moins 173 fois. Il venait de haute pratiquement mortel, donc ça veut dire que il t'a manqué et perdu la ville. Ça qui choque tout le monde sait qu'il est toujours si vif et jusqu'à aujourd'hui, pas qu'il y a aucune explication logique qui fait le pas de mourir. Il t'a pas mal raison mourir en 2011 à l'âge de 100 ans pour cause naturelle. Stephen Wilt Shire, c'est un monsieur ça qui fait avec une condition que seulement quelques monde sous terre a gagné, qui c'est une mémoire photographique. Il peut se regarder normalement une seule fois n'importe paysage, n'importe monde ou bien n'importe livre, côté qu'elle mémorise tout ça là-dedans sans manquer en détail. Yo ka pou fè bagay sa, Stephen Kale jusqu'à Singapour qui son pays qu'elle peut pas jamais aller avant. Li te entraîné en bâtiment, gardé tout bagay et puis li te commencé dessiner tout ça te wè dans même moment. Ça qui est bien impressionnant c'est que il même tête tout petit détail tant que fenêtre qui ouvre ou bien fermé, tout détail tant que bâtiment qui faut pour finir à camper l'autre encore. Je ne sais pas à quel niveau vous mettez l'intelligence, mais la hauteur de toute sa civilité réalisée avec la J, on peut considérer capable. Laurent Simon, c'est un belge qui a actuellement 11 ans, qui a pris un diplôme universitaire à 9 ans. Ce garçon qui très doit passer plus fort dans la ville à petit dé, et puis il est arrivé à ce monde qui prend un diplôme secondaire plus rapide dans le pays belgique. Sans compter que avant la pandémie a commencé, il était déjà diplômé dans la faculté physique. Et puis pendant la pandémie, même, il était spécialisé en ingénierie électrique. Réfléchissez qu'à construire organes artificiels pour humains pour permettre de nous prolonger la vie. C'est évidemment un rêve qui est encore loin, mais pour faire ce petit garçon ça intelligent, pas de monde qui compte ça passer. C'est tout le monde ça qui choque le monde là que je compte partager avec vous dans la vidéo ça pour aujourd'hui. J'espère que vous appréciez, même si vous avez pris tout le plaisir pour me porter le pour. Donc, pas oublier la vidéo, partagez le coup à tout pour qu'elle nous porter le bah, plus monde. Merci à vous même tout qui t'a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Restez pour me dire à tout de suite pour une nouvelle vidéo.